je suis caché dans la cuisine. Elle arrive les gars. Salut mon amour. Ah vas-y, je te laisse découvrir. Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Et aujourd'hui, on reprend la série des vidéos où j'offre un setup à un abonné. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas chez un abonné, mais chez une abonnée. Donc c'est Hélène qui a participé sur le formulaire habituel. Je vous le remets dans la description pour ceux qui veulent participer pour les prochains épisodes pour gagner un setup. Donc là, je suis chez Hélène. Elle n'est pas là. Elle est avec ses parents. Elle revient de Bretagne. Et c'est son copain Quentin, là, qui est dans la cuisine, qui m'a accueilli. On va mettre en place le setup, il est 9h du matin, elle arrive à 11h, donc on a 2h pour mettre en place tout le setup, sachant qu'en soi c'est assez rapide, mais le bureau n'est pas encore monté, donc va quand même falloir qu'on s'active. Je vous rappelle que si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et petite info pour ceux qui participent pour gagner un setup dans les prochains épisodes, participez correctement, mettez bien le maximum d'informations, toutes les infos sont en bas. Moi je fais une sélection du gagnant, et voilà, ceux qui le font un petit peu à l'arrache, je les sélectionnerai pas, donc faites ça correctement, mettez-y plus de 30 secondes et essayez de faire des phrases qui veulent dire quelque chose, parce qu'il y en a qui le font un petit peu à la va-vite. Mais voilà, vous avez tous vos chances, le lien est dans la description, bonne chance à tous. Et du coup, c'est parti pour un petit timelapse du montage du setup. Regardez chez qui je suis avec Hemisphère. On est, voilà, on est dans son setup, je vous avais déjà montré pas mal de choses dans le setup. La partie simulation, le setup dans l'univers pirate. Et aujourd'hui, alors si je suis là, c'est pas pour rien, c'est parce que on va faire la gravure sur la vitre du PC Gamer que l'abonné a gagné. Donc, je suis pas encore allé chez abonné. Et cette abonnée, elle m'a dit qu'elle était fan de l'univers Star Wars. Donc, on va lui faire une gravure avec Kylo Ren. Regardez. Alors voilà, donc là, t'es sur ton outil pour... Oui, voilà. Je fais ça sur Illustrator. Moi, j'utilise Illustrator pour faire mes maquettes. Donc, vous voyez, je peux mettre n'importe quel PC en arrière-plan et faire la maquette sur chaque PC. Chaque PC peut être bien adapté avec la maquette qui va dessus. Ok, bah nickel. Alors, donc là, nous avons Kylo Ren. À l'origine, ça devait être un Stormtrooper, mais finalement, j'ai appris qu'elle était ultra fan de Kylo Ren. Donc voilà, on lui met un Kylo Ren pour le PC. Pour info, la vitre, elle est ici. Donc c'est celle-là qui va avoir la gravure. On a déjà fait le montage PC. Je vous remets la vidéo dans le petit en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Et voilà, là on va peaufiner la config et ensuite, bon, ce sera dans la même vidéo pour vous, mais moi c'est dans 2-3 jours que je vais aller faire la petite surprise à l'abonné. Et regardez qui c'est qui m'accompagne. Je vous l'avais pas encore montré sur YouTube, donc voilà, vous le voyez, il vient d'avoir 4 mois le petit Liam. Il m'accompagne dans mes projets YouTube. J'en profite pour vous remontrer rapidement le setup d'Hemisphère. Donc là on est sur la partie univers pirate, univers Sea of Thieves. Pourquoi Sea of Thieves? Parce qu'il y avait eu le PC fait avec, donc custom, avec une gravure Sea of Thieves, un water cooling qui avait été fait par Yerect. Donc voilà, et on avait tout cet univers, mais on a aussi le setup simulation. Alors tout ça, à chaque fois, je vous l'ai déjà montré en vidéo, donc je vous remets dans le petit en haut à droite la vidéo Sea of Thieves, la vidéo du setup simulation si vous voulez revoir tout ça. Et puis je vous remets une petite vidéo que j'avais refait au tout début de ma chaîne YouTube, il y a genre 2 ans, où je vous montrais exactement comment Hemisphère travaillait le verre pour faire les fameuses gravures. Vous avez aussi ses réseaux sociaux et le lien de son site web dans la description juste en bas. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire une gravure sur votre boîtier.
Bon bah ça y est, on a fini de monter le bureau au Roxit. Alors bien sûr, on y est arrivé du premier coup, on n'a pas eu du tout besoin de revenir en arrière parce qu'on ne s'est pas du tout trompé sur la notice, on n'a pas du tout loupé d'étape. Hein. Alors voilà, donc le bureau, il est prêt. Et regardez d'ailleurs, ce qui est cool, c'est qu'il y a un tapis de souris qui fait toute la surface du bureau. Ça, c'est plutôt stylé. Donc voilà, donc là, on va placer le setup dessus. C'est parti pour un petit timelapse et puis après on va attendre qu'elle arrive. Elle arrive dans pas longtemps. Dans pas longtemps, ouais. Voilà, donc d'ici 45 minutes elle est là. Bon ça y est, le setup est quasiment fini. Regardez, Quentin il est en train de finir de m'aider à monter le siège. Qui est juste là, bon c'est quasi terminé. Et le setup lui il est prêt, on a donc le PC, écran, clavier, souris, casque, le bureau. Donc on n'a plus que le siège à ajouter, je vais vous montrer comment va se passer la surprise. C'est parti. Alors donc ici nous sommes dans la chambre, nous avons l'entrée ici et Hélène va arriver par l'entrée tout au bout. Donc en gros elle va arriver ici et avec Quentin on va l'attendre dans le salon, juste là. Et dès qu'elle va passer on va lui dire coucou tu vois, donc elle va nous voir et elle va me voir et je pense qu'elle va comprendre un petit peu ce qui se passe. La porte de la chambre comme ça elle sera fermée et ici, donc juste là vous voyez je vais mettre ma caméra qui va filmer sa réaction. Ce qui veut dire que quand elle va ouvrir la porte voilà on aura sa réaction. Quand elle va voir le son setup qui a été mis en place. Je vous le remontre rapidement, regardez, là on a la belle gravure qui a été faite par Hemisphere. Tout fonctionne, on lui réglera le RGB juste après. On a le clavier, voilà, tout est mis en place. Le cable management, j'ai fait ça assez rapidement vu qu'on est un peu pressé dans le temps. Mais voilà, il y a moyen de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Et j'ai eu confirmation que la petite figurine pop, a priori elle ne l'a pas. Donc voilà, bonne nouvelle. Et puis j'ai mis les petites boîtes des différents produits de son setup et de son PC sur le lit. Bon, je vous montre quand même, on a quand même une petite réflexion. Vous voyez, moi j'avais envie, là dans sa... Donc elle a une vitrine où elle a plein de figurines pop de l'univers Star Wars. J'avais envie de cacher mon iPhone comme ça pour filmer son arrivée. Comme ça on la voit quand elle ouvre la porte. Le souci, je vais vous montrer, c'est que quand on rentre, moi je le vois direct, vous voyez l'iPhone juste là, je le vois direct dépasser. Et vu que là c'est sa vitrine qu'elle adore avec toutes ses figurines, je me dis elle va le repérer l'iPhone. Donc bon, on va voir si vous n'avez pas de plan quand elle entre ici. Eh ben dites-vous que c'est parce que j'ai eu trop peur qu'elle le détecte. Hein. Bon bah alors là, on vient d'apprendre que Hélène arrive dans 5 minutes. Donc là, on a la dernière petite modif. Au dernier moment, on va mettre un petit fond d'écran Star Wars. Et voilà, ça y est, on a le fond d'écran Star Wars. Donc là, on va dans le salon, on va l'attendre. Mais voilà, on va lui faire coucou dès qu'on est dans le salon et qu'on la voit passer devant la porte. Très rapidement, les gars, je vous montre l'ancien setup d'Hélène. Voilà, donc c'était un PC portable non-gamer, hein, Asus. Pour jouer dans des bonnes conditions, il faut quand même un minimum, et avec ça, elle pouvait rien faire. Donc voilà, normalement, problème résolu, elle va pouvoir jouer. Alors, ouais, petite réflexion que nous avons eue, donc moi je suis posé ici, Quentin il est là, et juste derrière nous, il y a Hélène qui va passer. On se dit, peut-être elle va nous cramer, même si en soi, il y a des rideaux pas trop voir à travers, je pense qu'on peut quand même voir. Hein. Si elle fait gaffe, elle va nous voir. Alors là, je suis caché dans la cuisine. Regardez, je suis là dans la cuisine. Parce que là où on s'était posé, juste là, en fait, juste derrière la fenêtre, elle peut nous voir à la fenêtre. Donc, je me suis caché ici, mon renfoncement, comme ça, si elle passe... C'est bon. Elle est là. C'est elle. C'est elle. Ok. C'est bon, je peux... C'est bon. Allez. Bon. Ok. Elle arrive, les gars. C'est bon, donc là, elle arrive. Comment ça va? Un peu, beaucoup surpris. Tu t'attendais pas à me voir? Bon, j'avais peur, je savais pas parce que tes parents sont au courant et j'avais peur qu'il y ait une petite gaffe ou je sais pas quoi. Donc. Non, ils m'ont dit vas-y, je monte récupérer les cartons okay. Et. Bon, et la surprise est totale alors. Donc, tu dois te douter pourquoi. Tu dois te douter que voilà, si ton bureau est là et ton PC portable est là, on va aller dans la pièce où il y avait ton setup et puis on va aller voir tout ce qu'on a mis en place. Alors toi et tes parents ont pas fait de gaffe parce que non. Tes parents ils étaient au courant. Non, pas du tout. Alors vas-y, je te laisse découvrir. Oh oui, d'accord. Ah, j'avais pas vu sur la tour, c'est trop bien.
Bon, alors, attends, il y a l'écran qui s'est éteint, mais on t'avait mis un petit fond d'écran, on va te remettre ça. Mais voilà, voilà, donc tu as ton, setup, voilà. J'entends. Bon, alors à la base, j'avais vu dans le message que t'avais mis que t'aimais bien tout ce qui était Star Wars. Ah oui, c'est donc, tout. Au, au départ, il devait y avoir un Stormtrooper. Et, mais c'est encore mieux. Et Quentin, justement, voilà, il m'a dit elle est fan de Kylo Ren, donc il lui faut du Kylo Ren dessus. Tout à fait. Et donc, voilà. Donc j'ai été voir Hémisphère qui fait les gravures sur les boîtiers. Elle nous a fait ça. Et ce qui est cool, c'est que j'avais pris une petite figurine pop pour aller avec. Il m'a dit que tu l'avais pas, celle qui faisait Light non and Sound. Non, c'est vrai. Donc voilà. Merci beaucoup. Pour décorer le setup. Et puis voilà, bon bah tu vas pouvoir profiter à fond. Tu vas jouer à quoi? Tu vas jouer à Star Wars, je suppose. Ouais. Voilà. Je pouvais plus jouer avec l'ordinateur, donc... Ouais, bon, on a vu ça, on a vu ça. Bah avec ça, tu pourras jouer dans des super bonnes conditions. J'ai sorti il y a à peu près une semaine et demie, une vidéo où justement on montait ce PC-là. Et oui, en gros, voilà, PC au top pour jouer dans des bonnes conditions. Écran au top aussi, le siège, le bureau. L'écran, ouais, 27 pouces. C'est... Donc voilà, alors attends, je vais te rallumer l'écran. Après, je te présente tout le détail de ton setup, si ça te dit. Bon, bah alors, tu veux que je te présente ton setup? C'est parti. Alors, donc, le PC, tu m'as dit que tu l'avais vu sur la chaîne YouTube. Ouais. Bon, donc, Ryzen 5 3600... RTX 3060, là, la carte qui est juste là, qui est extrêmement dure à se procurer. Celle-là, j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir pour la config. Grand merci, bien sûr, à Asus. Alors, c'est Asus et Auraxid qui ont fourni tout le matériel. Donc, on a le PC, les périphériques, écran, voilà, clavier, casque, souris. C'est Asus. Et puis, pour le bureau, Auraxid. Pour le siège, Asgenon. Alors, Asgenon, voilà, ils font... en gros, c'est le bon rapport qualité-prix. En gros, des produits pas forcément super chers, mais très intéressants, parce qu'ils sont pas chers pour la qualité qu'ils offrent. Auraxid, par contre, on est sur du très haut de gamme. Et bah, TUF, c'est un petit peu dans le même style. TUF, c'est excellent rapport qualité. Ouais, c'est chouette. Voilà. Donc voilà, alors, je te laisse découvrir ton siège, parce que juste avant, j'ai vu que t'étais sur un siège du salon. C'est alors, ça. Bon, je l'avais réglé pour moi, mais tu peux le baisser un petit peu. Normalement, t'as une... C'est mieux. Ah, tu l'as mis au plus bas, du coup. Bon, c'est cool. Très grand. J'ai bien fait de pas prendre un plus grand siège. Non. Donc voilà. Et ensuite, bah, ton bureau de chez Auraxid, tu verras, ce qui est bien, c'est que déjà, t'as un tapis de souris sur toute la surface du bureau. Bon, j'ai mis en plus un tapis de souris de chez Asus dessus. Mais voilà, ça, c'est plutôt cool. Si jamais, un jour, tu te dis, vas-y, j'enlève le tapis de souris, t'as quand même un tapis de souris en dessous. Une protection, ouais. Sinon, bah, au niveau du bureau, c'est assez basique, 140 cm. Un petit système pour ranger les câbles en dessous. Et puis, de quoi passer les câbles à ce niveau-là. Bah, un bureau assez cool pour du gaming. Et alors, bah voilà, du coup, globalement, pour le PC, donc un PC 100% TUF. Au niveau du clavier, le voici, le TUF Gaming K3. Là aussi, on est sur un bon rapport qualité-prix, un clavier mécanique de chez Asus. La souris, la TUF Gaming M3, qui est juste là. Et alors, le casque. Alors, le casque, je ne vais pas entièrement déballer. Je vais te laisser le déballer parce qu'on a une petite boîte là qui est fournie avec. Là, c'est du ROG pour le coup. Et tu verras, ce qui est cool avec ce casque, c'est que tu peux l'utiliser pour faire du gaming. Il est beau. Voilà. Tu peux l'utiliser pour écouter de la musique chez toi le soir ou dans la rue, étant donné qu'il est Bluetooth. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'il est pas mal pour Discord, TeamSpeak, parce que tu as iMic qui est intégré. iMic, c'est une intelligence artificielle qui enlève tous les bruits autour. Donc, d'accord. Si par exemple ça passe l'aspirateur à côté de toi, et ben les gens ne l'entendront pas. Donc, tu as tous les câbles, tout ça. Je te laisserai déballer ton casque. Mais voilà, assez intéressant. Celui-là, c'est le ROG Strix Go BT. Et enfin, dernier élément, l'écran. Alors, l'écran, on est sur du 27 pouces Full HD 165 Hz, un modèle de chez TUF, de la gamme TUF de chez Asus. Et voilà, bah, avec tout ça, ça devrait bien se passer. Et le dernier élément, la petite figurine pop de Kylo Ren. Bon bah t'es contente? Bah oui, surprise, super contente et merci. Merci à tout le monde, à Guillaume et bien sûr à, tous les, à toutes les marques. Je vais faire mes petits remerciements moi aussi. Je vais faire un gros merci à Asus. Asus qui me soutient sur ce projet depuis pas mal de temps maintenant, ça fait pas mal d'épisodes qu'on a tourné, où justement ça me permet justement d'offrir les setups aux abonnés. Merci aussi à Auraxid qui a fourni le siège et le bureau, et merci aussi à Hémisphère qui a su se rendre disponible pour me faire la gravure sur le PC au dernier moment. Voilà, merci aux trois personnes parce que ça me permet de tourner ces vidéos là. Et puis bah du coup, profite bien de ton setup. Merci. Voilà, et on va commencer à installer des jeux si tu veux juste après, et puis voilà. Bon, j'ai oublié de vous demander, n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous le rappelle, vous avez le lien dans la description si vous voulez participer pour les prochains épisodes où j'offrirai un setup. Voilà, le lien est juste en bas. Allez, à bientôt tout le monde.